Et bien salut tout le monde, c'est Full Game 7, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 28 de Tales of Berseria sur PC, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Dans l'épisode précédent, gros épisode quand même mine de rien qu'on a eu, donc nous sommes donc à Lossingen, la tour des exorcistes, donc c'est là où les exorcistes sont formés, et nous avions donc dû suivre Zavid, qui recherchait également, merde, j'ai oublié le nom du gars, le vieux. Melkor, voilà, Melkor. Et donc on avait vu une illusion de Erfrid, dont il est toujours capturé. On avait appris l'origine également du combat, de cette dette, du moins de cette rivalité entre Erfrid et Zavid. Car je rappelle que Zavid, lui, il a le fameux flingue, donc Siegfried. Vient de Erfrid, mais que il l'a récupéré au combat, mais Melkor était là. Bref, c'était un combat à 3, on va dire, et ça s'est un peu mal passé. Mais bon, vous savez bien qu'après cette arme, Zavid va le garder, hein, parce qu'on le reverra hein, tout simplement dans Tales of Zestiria. Donc voilà, donc on avait fait tout ce petit combat assez stylé quand même, hein, belle animation, belle ambiance. Donc je rappelle que notre objectif était de tout ça. Ah, je peux pas me téléporter. Ah, je peux pas. Je pensais pouvoir me téléporter via les fioles. Donc, je rappelle que notre but était tout simplement de guérir le fléau du corsaire à notre bâtiment. Heureusement, on a perdu un peu de temps suite à cette affaire avec justement Zavid et Aizen, parce que tous deux sont déterminés à leur combat. Ah, attends, t'es sensible à quoi? T'es sensible au vent. Ok. Donc on est parti, je sais pas du tout si on aura des cinématiques en chemin. Bon, en tout cas, c'est que ça marche. Allez, hop, voilà. Bah voilà. Bon, on va démarrer tranquillement l'épisode. Alors attendez, que je me souvienne. Déjà, on a quoi là? On a un genre de temple, à ce que je vois. Alors, est-ce qu'il faut sauter? Ok, on va aller là. D'accord, donc on a un lieu déjà qu'on ne connaît pas. Oula, mais ça regorge de perles ici. Attendez, on va les prendre. On va... Ah, un petit coffre doré, ça fait plaisir. Chemise rose cire. Teinte rose cire pour suggérer la puissance d'attaque supérieure à son porteur. On verra ça plus tard. Alors je crois, il me semble avoir fait en off, ça fait longtemps que j'ai pas relancé le jeu. Que j'avais remodifié les équipements. Alors on est où là? Tunnel de Laban Est, passage souterrain. Ouais. Ouais, non. Non, non. On va éviter parce que si c'est pour faire un énième chemin. Bon, écoute, on va retourner tranquillement au port de Ringed. Ah putain, c'est pas vrai. Ah, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Ok, hop, allez. On va essayer de l'avoir tranquillement. Ça fait longtemps. Ok, merci. Nickel. Voilà, comme ça s'est réglé. Allez, c'est bon. C'est chiant. Voilà. Mon Dieu. Ok, bon, alors attends, que je sache où je vais quand même. Vortigern Fortress, tunnel de Laban Ouest. Ah d'accord, ça mène là-bas. Ok, c'est un raccourci. D'accord, c'est un autre chemin quoi. On a un coffre minus, j'ai l'impression. On a une quête. Bah écoutez, on va retourner en arrière, on n'a pas trop le choix de toute manière. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas se téléporter, ça nous aurait évité de refaire tout le chemin. Alors j'espère qu'il y a une raison. Hein. うん。ジークフリートは別大陸から来たものみたいだけど、ロクロは知ってる？いや、俺はもっぱら剣ばっかりでな。あの手の道具には疎いんだ。あ、そっか。でも、すごい道具だったね。ザビーダの使い方からの推測じゃが、あれは力を増幅させる道具じゃな。力を増幅？確かに。 自分に打った時強くなったね。瀕死のレジェンドワイバーンも逃げる力を得た。
だがメルキオルの現実は弾け飛んだぞ。あれも増幅じゃ。術の源である精霊の力を限界以上に膨らませてパン。さじ加減一つで毒にも薬にもなるってことか。扱いの難しい道具ね。問題はあれを使って何を企んどるかじゃが、ま、どうでもいいがの。OK, bon, jusque là, on sait plus ou moins l'utilité de cette arme, hein, on la connaît, hein. Rappelez-vous que c'est la fameuse arme ultime qu'on utilise contre le boss final, hein, avec le flingue, hein, dans Tales of Zestiria. Bon, bah écoutez, on va y aller tranquille. Alors, attends, est-ce que le coffre minus, je l'ai fait? Non, je l'ai pas fait. A besoin de 145. Ah merde, j'ai vraiment pas assez. Ah, chiotte. Bon, bah écoutez, on va faire 100, hein. Je pensais que j'en avais encore, ok. Bon bah au moins on sait qu'on en a un. Bon, de toute manière c'est pas primordial, c'est pas la priorité les coffres minus, hein. C'est vraiment pour les faire, hein. Ok, bon toi tu vas venir m'emmerder, toi je sens. Allez cadeau. Allez bouffe. Allez, faut mourir. Attends, t'es sensible à quoi? T'es sensible au vent. Ok, bon ils sont tous sensibles au vent, j'ai l'impression. Je crois que j'ai dû lancer. Je crois que c'est ça la technique où elle fait un gros coup. Ok, hop, voilà. Fange du néant, très bien, nouvelle art, pourquoi pas. Hop, bon bah écoutez, on va avancer tranquillement. Je vois qu'il y a une genre de requête, une action du moins. Non, c'est quoi ça? Voilà. Bon, ça nous fait un peu XP, vous me direz, hein. Alors. Par où est-ce qu'ils vont me donner cette quête? Je sais pas, il y a une action. Faut descendre? Ouais, on va avancer. Ah. お湯に溶けた鉱物に含まれる塩分が光を反射させて無数の虹が生まれるんじゃ。その鉱物が何万年もかけて少しずつ溜まってあんな奇岩に育ったんじゃよ。へえ、勉強になります。常識はないくせに妙な小知識はあるわね。ちなみにお湯の元である地下水脈は海とつながっておるらしい。そのせいで間欠泉からは時折茹でられたタコやカニが飛び出すらしいぞよ。タコやカニが、ありえない話とは言えないかも。さっきの塩分がいい感じに加わって味は絶品じゃーとかなんじゃとか。はあ、紛るあんたの適当さも世界七不思議の一つね。じゃろう、よく言われるんじゃよ。 D'accord, bon, c'était juste pour une pour un peu de l'or, hein, tout simplement. Bon bah écoutez, hop hop hop. Bon bah direction le pont, direction le port de Rined. Oh putain, j'ai oublié qu'on avait ce chemin-là. Hop. Bon, attends, est-ce qu'il y a d'autres perles? Ouais, il y a d'autres perles. Bon, on va les prendre au passage. On peut vraiment pas se... Ah, si on... Nickel, bah voilà. Ah, bah c'est déjà mieux. Nickel. Bon, alors, est-ce qu'il faut que je parle aux gens? Par là-bas, par là-bas. Je sais pas du tout... Je sais plus si on avait fait un démon rouge... la dernière fois. Fiole de Pénacée, je suis full. だな。どうしたの？犬が本を加えてきちゃったんだよ。ほらこれ。ずいぶん古い本ね。見たことのない文字で書いてある。アバロスト語じゃないよ。年表みたいなのがあるから歴史の本かな。2000年ほど前に使われていたメリオダス文字のようじゃの。アバロスト語よりは新しいが今は使われておらん文字じゃ。書き込みがいっぱいしてある。これは誰かの研究書だよ。研究ならリーブの本かも。リーブ？宿屋の子供だよ。歴史を研究してる変わった子なの。リーブにこの本を届けてくれない？僕たちはあの子に近づいちゃダメって言われてるから。うん、いいけど。 OK, on a une quête, on va aller à l'auberge. Et alors l'auberge. Donc un vieux livre.
本、僕の研究所が。君がリーブ？これは君の。僕の本！ありがとう、大事な本なんだ。僕はライフセット。ちょっと見せてもらったけど、すごいね。君はメリオダス文字が読めるんだ。メリオダス文字と見抜くなんて、君こそただものではないね。それほどでもないけど。僕は大人になったら世界の遺跡を巡る冒険家になりたいんだ。そのための準備にこの本で暗黒時代より昔の歴史を研究してるんだ。暗黒時代、クローズドダークって呼ばれる謎の時代だよね。そう、記録がほとんどない歴史の空白なんだ。でもその前後の時代を研究して比較すれば、何があったのかわかると思うんだ。すごい！面白そう！だろう？古い本のことでよく盛り上がりますよね。うちの弟も同じだったわ。ラフィーもよく兄さんと。匿名の通報があった。不審者を見なかったか？まずい、警備が来るぞ。こっち、僕の家に隠れて。リーブ、不審な者たちを見なかったか？見てないよ、僕本に夢中だったから。そうか、母と二人暮らしで心細いだろうが、しっかりな。お前の父上は皆のために戦う一刀隊士だ。弱音を吐いては父上に笑われるぞ。はい。助かったよ、リーブ。あんたの父親は大魔師なの？うん。だからライフィセットたちの事情は詳しくは聞かないよ。友達だからね。友達。友達の証に、とっておきの秘密を教えるよ。この本には、伝説の万能薬、オメガエリクシールの作り方が書かれているんだ。オメガエリクシールを作るには、5つの素材が必要らしい。訳せたのはまだ1つだけだけど、それを教えてあげる。ありがとう。でも僕、何もお返しできない。お返しなんていらないよ。でもよかったらまた話をしに来て。絶対に来るよ、友達だからね。オメガエリクシール、すべての病を治すと言われる古代の秘薬ですね。でも暗黒時代に実物も製法も失われたと聞いていますが。メリオダス文字は暗黒時代以前に使われていたもの。辻褄は合うの？子供の解読よ、当てにならないわ。いや、あの本の書き込みは大人顔負けだ。全くのデタラメとは思えん。子供の集中力と学習能力は侮れないぞ。好きなことならなおさらな。僕もリーブは本物の研究者だと思う。あの子も夢中になって本を読んでたっけ。オメガエリクシールはあなたにとっても役立つものなのでは？ライフセット、あんたは素材を探してみたいのね。うん。私は興味ないけど、あんたが勝手に探すなら止めないわ。うん。D'accord, donc visiblement ça doit être une quête un peu continue, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a moyen de voir les archives? Archives. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'est. Pas les résumés. Merde, c'était où déjà? Bon, c'est pas grave. Bon, ça doit être une genre de quête un peu en continu, du genre une longue quête pour le jeu. Alors, on va vite fait checker si j'avais fait un code rouge, je me souviens plus du tout. Oui, j'en avais fait un, parfait, loup ténébreux.
Nickel, bon bah allez, on est parti. On est d'accord, faut qu'on aille au Port Rined. Alors. À Port Rined. On est bien ici, hein. Attendez, j'ai un doute, on est où là? La Port Rined, autant pour moi. Ok, putain, j'étais complètement perdu maintenant. Bon, bah on est parti. Allez, on va enfin, j'espère, quitter ce lieu. Parce que je rappelle que notre but, c'est d'aller à Sud-Gand pour voir ce fameux Grimoires. Et c'est long. Qu'est-ce qu'il y a? この前、大しけで流されて、第四種管理地区の島に行ったんだが、噂通りやばいとこだったぜ。嵐が収まるまで船着き場に泊まりたかったんだが、海が水飴みたいにドロドロし始めてよ。クラゲの化け物みてえなのは甲板に上がってくるし、ふと見りゃナメクジが海泳いでやがんだ。ナメクジは塩水に弱いでしょ。俺もそう思ったんだけどさ、海牛でもナマコでもねえし、いやーおっかなくてよ。まあ近寄らないに越したことはねえが、もしあの島に行くならドロドロには気をつけな。第四種管理地区って言ってたけど、どういう場所なのかな。清涼が決めた対ゴーマ戦略上の区分で、どの程度ゴーマを制圧できたかの目安なんです。第一種から第三種までは対魔師が適宜配備され、安全が保障されている地区です。つまり第四種は安全の保障ができてない。本来なら王国全土の安全を保障すべきですが、手が回らないのが実情です。辺境や離島などは対魔師を配備せず、立ち入り制限を行うことで被害を防いでいるんです。船の連中は島の近くまで行けたと言っていたが、立ち入り制限ってどうなってるんだ。危ないから行くなとお触れを出しておしまいじゃよ。離れ小島を囲えるわけでもないしの。禁じた場所へ行くのは勝手じゃが、助けには行かん。泣くのが嫌なら近寄るなというわけじゃ。そもそもゴーマを制圧できていれば渡航を禁止する必要なんてない。本音では清涼も近づきたくないんだろう。清涼もお手上げの危険地帯ってことか。放置しておきながら管理とはこれいかに。第四種管理地区ってたくさんあるの？私が清涼査察官として聞いたことがあるのは全部で10カ所です。その10カ所の正確な位置も現在の様子も分かりませんが。清涼が撤退したんだ。おそらくよりヤバい場所になっているだろうな。そこへ行くならしっかり準備しないとだね。Vous pouvez désormais vous rendre dans une zone administrative de classe 4. D'accord. Donc il y a des îles qui sont classées en fonction de leur dangerosité, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi ? Kite kureo. Mata Goma datte yo. Kyoubou na Goma no mure ga waku jurin ni detan da. Tada de sae ano jurin ni wa abunai Goma ga ita no ni, kondo wa betsu no mure ga dete, shikamo nigetan datte sa.だからあちこちに対魔師が増えてるだろ。その群れにいるのはどんなゴーマなの？それは俺たちも知りたいんだが、清涼の連中は何にも教えてくれないんだ。船の積み荷を見せろだの、しばらく漁には出るなだの、ゴーマが出るたんびに仕事が止まって大弱りさ。本当に迷惑なゴーマどもだよ。俺が対魔師ならぶっ飛ばしてやるのにな。結局いつも苦しい思いをするのは対魔師でもゴーマでもない俺たち庶民なんだよ。まあ、あんたらも気をつけなよ。そうするわ。殴られないようにね。Bon, en gros, si je comprends bien, si on veut se faire des démons code rouge, à mon avis, il faut aller là-bas. Allez, on va quitter cette île. 副長、無事だったんですね。心配かけたな。船長の件は？やはり偽物だった。だが、アイフリードはまだ生きている。当たり前ですよ。残された時間は多くはないがな。どういうことだよ。焦るな。事情は後で話す。アイゼンも。焦らないでね。全員サレトウマは飲んだな。もちろん。くたばったやつはいねえだろうな。みんな生きてますよ。副長の呪いに比べたら海賊病なんてちょろいもんさ。よし、出航準備に取り掛かれ。とっくに終わってますね。いつでも出られるっての海賊の流儀か。悪くはないの。
Allez, on va enfin quitter ce lieu. Allez. L'équipage est de retour et motivé comme jamais. Nous voilà partis pour Issolt. Oui, allez, Issolt. Ah, d'accord. Ah, on peut y aller. Région dangereuse, désolé de la paille. Si jamais vous avez le courage d'y mettre, on ira peut-être faire un tour. Quête d'Issolt. Oui, on y va enfin après 3 épisodes ou 4, je sais plus.海フリードのことは残念だったけど海賊団のみんな元気になってよかった。サレトーマは二度と飲みたくないと言ってたかな。エレノアは？エレノアも飲んだ後ずっと、まずいって顔してたよ。顔じゃなくて体の方。ああ、うん、元気みたい。ならいい。エレノアが心配なんだね。そんなんじゃない。 ボーのことには素直じゃのう。世に平和と秩序をもたらすために聖霊はある。聖霊やメルキオール様の行動もアルトリウス様の深いお考えに従ってのこと。なのにこの不安や違和感は。さがりなさい。お前が知る必要のないこと。どうかしたのか。 おいおい、そんなに怖がるなよ。怖がってなどいません。私に何か用ですか。いや、ため息なんて具合でも悪いのかと思ってな。いえ、きちんとされとうまは飲みましたから。えらくまずいんだってな、あれ。別にそれほどでも。お前何ですか。 ゴーマが怖いのか。違います。ゴーマが憎い。10年前、ゴーマの群れに襲われ、私の村は全滅しました。お前の家族も。はい、たった一人の家族だった母がその混乱の中で 残されたのは母がくれたこの手鏡だけです。こんな思いをするのは私だけでいい。だから私はゴーマを撃つ対魔師になった。情けも気遣いも無用です。もう分かったよ。 この地方特有の魚鳥類よ。ペンギョン、お肉がプリプリでトマトシチューに入れるとおいしいんです。へえ、どんな味なの。あれを食べるなんて野蛮ね。あなたに言われたくありません。母の得意料理だったんです。世間話はそのくらいにしておけ。 バギル、例のグリモワールというのはどんなやつだ。端的に表すのであれば、ふう、はあ、あっそう、こんな感じじゃ。全然わからん。やれやれ、想像力の乏しいお主らに合わせて言うと、
グリモ姉さんはアンニュイな勇敢マダムの黄昏的な空気をまとった大人の女じゃ。ベルベットやエレノアとは違う感じの女の人ってことかな。違いない。要するに大人の女を探せばいいんだな。うん、探すのは大人の女の人。名前が分かってるんだ。聞き込みで探し出せるだろう。そういうことじゃの。なんじゃば。マギルーも大人の女の人でしょ。なのに自分の気持ちを素直に出せないの。自分の気持ちか。あいにく塔の昔に砕け散ってしまったのじゃよ。バリンクシャーンってな。気持ちが砕けた。さあ町の連中に聞き込みを。Iseult, la ville des mers australes. D'accord, alors je m'attendais tout sauf à une ville de ce genre quand même. Hein. Bon, bah écoutez, au moins on est arrivé, ça fait plaisir parce que depuis le temps, je crois que ça fait une dizaine d'épisodes, je crois qu'on devait y aller en plus. Alors, non, ça c'est pour jouer à des jeux. Bon, bah écoutez, on va avancer. Hein. Ah, on peut descendre. Oh, des perles, je veux des perles. Ah, oula, oula, attends, il va où. D'accord, ok, c'est un autre chemin. Oh, ok. Alors, je peux aller là si je le souhaite. Oh là là là. Ah ouais, c'est vraiment... D'accord, je m'attendais tout sauf à ça, niveau île. J'avais plus un truc enneigé, je sais pas pourquoi. Bon, on va récupérer les perles, hein, on va... Voilà, bon, visiblement, je peux pas remonter. Donc, écoutez, on va continuer, hein. Bien. Bon, bah, écoutez, on va essayer de... d'explorer les lieux, parler aux gens, on va un peu se balader. Alors là, on a rien. Peut-être un petit coffre. Non, on a rien. Ah là 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 là. Ok. Ça se trouve, Grimoire, c'est Maguilou, ça se trouve. Ça se trouve, c'est un nom de famille. Le petit troll, ça serait sympa, ça. Alors, par où je descends? Il y a un truc là. Alors, on a un coffre là-bas déjà, on sait où on a. Bon, bah, écoute, on va avancer, hein, tranquillement. Je vois qu'il y a une auberge là, sur la carte. Ah, il y a un grand bâtiment, ça se trouve, c'est peut-être là-bas qu'il faut qu'on aille. Ok, alors on peut pas descendre là. Attends, ça me perturbe le fait qu'on puisse pas descendre. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est juste une perle. Alors si je vais là, ça fait quoi? D'accord, c'est une cathédrale. Ah, l'expédition, hop. Oh, beau ça! Voilà. Alors qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Gofukaki tsumibito yo. Zange nasai. Zange? Atashi ni itteru no? Hai. Sono munamoto ya koshimawari. Iroiro na imi de... 罪深き方とお見受けしました。どこ見てんのよ。このように私を含め人は業深き生き物、自らの罪を認め聖主様に告白するのです。心を見つめ直すことで業は鎮められるでしょう。あ、そう。今までにやった罪を白状すればいいわけ？そうです。安心なさい。どんな罪も聖主様は許してくださります。告白します。聖主様、私は監獄で暴動を起こして脱獄してしまいました。え？それから町の倉庫に放火して船をかっぱらって逃げました。あと海賊に協力して軍の施設を壊滅させました。邪魔した奴は皆殺しです。え？どう？聖主様は許してくれるかしら。いや、その懺悔の前に聖領に出頭することをお勧めしますが。ええ、そのつもりよ。聖領の親玉アルトリウスを殺すのが私の目的だから。タイマシ様、すぐに来てください。は
こうなると思ったわ。Attends, il reparle encore. 業深き罪人。わしに言っとるのかい？そうです。どこから突っ込んでいいかわからないほど業深き者よ。罪を告白なさい。わかったわ。ずっと本当のことを言いたかった。でも勇気がなくて言えなかったの。きっとこれは聖主様がくれた機会なのね。おお、そこまで聖主様を思って。違う、私が思っていたのはあなたよ。ずっとあなただけを見ていたの。私をですか？しかし私は聖主様に仕える身。いや、あなたも私だけを見て、そして抱きしめて。私はなどというこっつまらん恋愛小説を読んでしまったんじゃよ。どうしようもない無駄な時間を過ごしてしまったことを許したまえ。なんという罪作りな。おっと、罪を告白するつもりが罪な告白をしてしまったか。これも許しておくれ。Bon, j'ai l'impression que ce prêtre, ça fait tous les personnages en fait, hein. Mais bon, écoutez, on va pas insister plus. C'est plus des petits dialogues marrants qu'autre chose. Bon, c'est pas la priorité. Alors, attends, où est-ce qu'il faut qu'on... Ok, on a... Ok, d'accord, je vois. Bon, bah écoutez, on va visiter un peu les lieux quand même. Et on ira à notre objectif après. On va profiter hein, d'être là quand même, parce que depuis le temps qu'on devait aller à ce lieu. Alors le coffre Minos, on le fera un peu après. Pour l'instant on fouille, on check ce qu'on peut prendre. Il va y avoir des trucs intéressants. Alors déjà on va aller récupérer le coffre qu'on a vu à l'entrée. Donc il faut qu'on trouve une femme. Très bien, une dame de noblesse. Ok, fragment. Bon bah écoutez, on va se balader tranquillement, ça nous repose un peu hein, quand même. Bon, beaucoup de cinématiques hein, quand même depuis quelques épisodes. Alors ça, le coffre on le fera à la fin. Ok, là je peux pas y aller. Alors bonjour messieurs. Alors est-ce que je peux aller quelque part là ou pas? Non, je peux pas aller là, d'accord. Alors, les perles, on va récupérer tout ce qu'on voit et après on ira faire le coffre. Ça change beaucoup hein, quand même le paysage, je vais être franc avec vous, ça me perturbe un peu. J'ai pas l'habitude. Ok, là on a une perle. Qu'est-ce que t'as... Attends. Déjà je fais le reste et après je te parle. Ok, là je peux pas récupérer, là non plus. On a des perles, bon, on fera checker des perles après. Hein. Là j'ai rien, j'ai déjà checké, je suis bête. Ok. Maintenant, c'est un peu plus utilisé, mais... Le bateau de la mer est le premier de la mer de Southgand. Le bateau de la mer est le premier de la mer de la mer. Le bateau de la mer est le premier de la mer de la mer. Bien sûr. Le bateau de la mer est le premier de la mer de la mer. Le bateau de la mer est le premier de la mer de la mer. Le bateau de ウキウキの丸太を組んだイカダでミッドガンドまで渡ったんだ。イカダで海峡を渡ったことに驚いたミッドガンドの職人はご先祖と一緒に島にやってきた。その人がウキウキを使って大きくて頑丈な船を作ったんだね。それをきっかけにミッドガンドとサウスガンドの貿易が始まって、一気に大航海時代が始まった。新しい時代にみんなウキウキしてたのに、数十年後ミッドガンドはサウスガンドに戦争を仕掛けたんだ。皮肉だね。自分たちの島で取れた材木を使って敵が船を作って攻めてくるなんて。結構長い間ドンパチやってたんだが、結局はミッドガンド王国が勝って支配者となった。大航海時代は大航海時代なんてご先祖たちは嘆きながらも大笑いしたそうだよ。辛いのに笑ったの？サウスガンドの人たちってのはもともとは明るくて元気な気質なんだよ。今はいろいろあるが、昔は笑い声の絶えない島だったらしい。
スマイルガンドなんて呼ぶ人もいたそうだよ。スマイルガンドか。きっと楽しい島だったんだろうね。D'accord, bon, c'est intéressant, ça nous apprend un peu le lore du lieu. Donc, ils se sont battus contre Nilgand, d'accord, pour l'exploitation de ce bois. Alors, on va récupérer les petites perles sur le chemin. On va aller faire après le coffre. Le coffre Minouz. Okay, là, je n'y a rien. Bon, bah écoutez, au moins on sait où aller. Hein, on n'a pas trop à se précipiter. C'est assez calme hein, quand même, comme épisode quand même. Alors, attends, c'est vrai qu'on n'est pas allé par là. Attendez, on n'est pas allé par là. Qu'est-ce que j'ai là ? Ok. Alors là, on... non, ça c'est l'entrée. Voilà, c'est là-bas qu'on n'est pas allé. Bon, bah, vous... alors je sais plus c'est quoi, mais j'ai le nom d'une... J'ai un passage dans Tales of Symphonia, ça n'a rien à voir. C'est une ville un peu de pêcheurs, je crois, il me semble. J'ai oublié le nom. Je sais que c'est une ville qu'on voit au début du jeu, je sais. Alors ça, c'est pour parler aux gens. Non, 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 je voulais pas, je voulais pas, je voulais pas, pardon, excusez-moi, mauvaise touche. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as à me dire, toi ? Dodai, kono shima wa. Nonbiri shitete ii daro. Logres to kuraberu to, zuibun funiki ga chigau wa ne. Kaimon no hi yori mae wa, motto nonbiri shitotta. Da ga, saikin wa tokai ni akugareru wakai no mo fuete na. Zuibun sewashiku natta mon da yo. 清涼のおかげでゴーマ病が出始めた頃に比べたら暮らしやすくなってきたでしょ。人が各地を行き来するようになったことで船の需要も増えて、この島の材木の需要も増えたの。金が入って潤った人々の生活が変わり始めたというわけじゃな。やっぱり中央から来る大魔師や兵士はどこか垢抜けてるし、外から来る人たちはこの島と違う服を着てこの島にはないものを持っているでしょ。刺激の多い町場に憧れのぼせ踊り踊らされる、その愚かさこそが若者のすべてじゃからの。そんなことしてると島の伝統が消えてしまうとわしは心配してるんだがね。おじいちゃんの気持ちもわかるんだけど、若い人たちにいろいろ押し付けるのもね。 Bon, très bien. Alors toi, j'ai rien à te dire, je suppose. OkOk, donc on aurait une vipère, c'est vers où ? Catacombe de Barona et route du lac de Gal, marais, très bien. Bon bah écoutez, on n'a rien d'autre à faire je pense. Écoutez, on va direct aller, je pense s'arrêter là pour cet épisode 20 et 28, pardon. Assez blabla, assez tranquille, sans prise de tête. Prochain épisode, on va aller revoir donc ce fameux Grimoires. On est enfin arrivé à Iseult, ça fait plaisir. Donc voilà, donc nouvelle sauvegarde. Voilà, Iseult, ville des mers australes. Merci. Donc prochain épisode, nous allons voir donc cette fameuse grimoire. Et j'espère qu'on va en apprendre un peu plus cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.